Oui, le bonheur est là. Bonjour, mes amis. Le bonheur est ici, à la croix sur Mus, à l'écluse numéro 12. Je ne peux ni avancer ni reculer. Les raisons officielles est qu'il n'y a pas d'eau dans le canal. C'est comme ça qu'il n'y a pas d'eau dans le canal. Venez libère lentement l'eau par les écluses, de l'une à l'autre. Et comme si l'eau coulait dans les escaliers vers là-bas. Tout cela est fait pour s'assurer qu'il y a de l'eau dans le canal en dessous. Mais au sommet où nous sommes, l'eau doit finir tôt ou tard. C'est très sage. Où trouver de l'eau? Au sommet. Bien sûr, l'eau ne coule pas vers le haut. Alors, ils ont laissé tomber notre précieux or restant. Mon cœur saigne. Je suis allé en reconnaissance escalader 12 écluses jusqu'à la ville de San Miguel. Et descendu 5 écluses jusqu'à la ville de Verdun. C'est incroyable. Il y a l'eau partout. Il y a encore plus d'eau que lorsque je naviguais ici depuis Verdun. Mais les autorités officielles de Venève de France nous disent qu'il fait être aéru ici et qu'il ne fait pas naviguer n'importe où. Il faut attendre. Je ne sais pas combien de temps attendre. Et VNF non plus. Voie navigable de France nous a dit d'attendre. Que dois-je faire? J'attendrai. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là? Il est là? Il est où le bonheur? Le bonheur est là. Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Ce voyage t'intéresse à moi. C'est comme ça que je vis ici. Je suis ami avec mon voisin, avec des vaches. Et ici, il y a un canal et un port. Et dans la porte est mon bateau. Il y a des vaches. Et la croix sur Mus. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est là. Il est là. Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Et voici mon port où je suis bloqué depuis longtemps. Alors, qui est là? Je vais commencer par le tout début. Le bateau le plus extrême, Captain Simon, et la péniche anglaise, Beatrix, d'Angleterre, elle a traversé la Manche, réussi à passer une partie de la France et de la Belgique, et la voilà tombée dans un piège. Vient ensuite le bateau de ma voisine Karine. Elle habite ici et n'y va nulle part encore. Et ceci est un autre bateau et il est à vendre. Je me tiens plus loin. Et dernier mois se trouve un bateau allemand de Hambourg. Il est tombé en panne. Il y a un problème de moteur. Il y a un autre bateau sur les voiles. Le propriétaire est Alexander. Il est ukrainien. Et nous voulons tous passer par ce canal. Mais ici et maintenant, je suis le seul. Et je sais qu'il y a 12 autres bateaux à Saint-Miguel. Ils sont également bloqués et attendent l'ouverture du canal. Au fait, vous pouvez acheter ce bateau. Il y a tout ce dont vous avez besoin pour la vie et la navigation. Et nous deviendrons des voisins bloqués. Je ne peux naviguer nulle part. Mais il y a de l'électricité, de l'eau et un parking gratuit. Presque toutes les conditions pour une cage dorée sont créées ici. Et le bonheur est là. Donc, je vais vous montrer les changements que j'ai fait dans la maison. Il est où le bonheur? Il est où? Et voilà, c'est mon bateau. Il est où? Alors, quel changement ai-je apporté ici? Tout d'abord, j'ai installé de nouvelles et belles portes ici. Après ça, j'ai installé un four électrique. Je continue à faire pousser des appareils électriques. Ici, alors que tout a changé, tout reste le même. Mais là, j'ai fait les étagères. Et j'ai accroché une lampe de la caméra. Je ne peux pas dire que j'avais vraiment besoin de ces changements mineurs. Mais je ne m'ennuyais pas, j'ai fait quelque chose.
Mais j'attends un colis important. Un colis devrait arriver. Et j'ai accroché ces crochets. J'ai ajouté des jaunes à la maison, comme si le soleil avait été ajouté. Et voici un colis pour ma chambre secrète. Je l'ai déjà ouvert et je me suis assuré que tout allait bien. Qu'y a-t-il dans le colis? Et dans le colis, une toilette marine inversée. C'est mon vieux rêve. Je ne pouvais pas l'acheter plus tôt car je naviguais tout le temps et je n'avais pas d'adresse. Et voilà que je suis bloqué. Et mon colis a trouvé son destinataire. Mais je dois encore l'installer ici dans la pièce secrète. Je l'ai déjà installé et branché. Et maintenant, j'ai un autre appareil électrique. C'est les toilettes. Il est alimenté par l'électricité. Je n'ai qu'à appuyer sur un bouton. L'eau arrive par un tuyau directement de la rivière et sort par notre tuyau dans les égouts. Le raccordement est très simple. Et il y a de l'électricité ici. Et les toilettes sont équipés d'un moteur électrique de 12 volts qui pompe l'eau et broie le caca. L'énergie du soleil fonctionne maintenant aussi dans les toilettes. Ah! Donc, j'ai une nouvelle toilette et bien sûr je veux l'essayer. Elle doit être remplie de quelque chose. Je vais utiliser l'intermédiaire, mon ventre. Je vais d'abord remplir mon ventre. Je vais le remplir de salade. Maintenant, je serai chef. J'aurai besoin de concombres, d'oignons, de paprika, de tomates, de choux, d'un peu de thon et de laitue. C'est tout ce que j'avais. Probablement meilleur avec des fromages. Et j'ai encore besoin de fromage mozzarella. Maintenant, je vais tout couper et j'assaisonnerai les salades avec de la vinaigrette. Ce n'est pas la vinaigrette qu'on mange en Lituanie. Là où il y a du bonheur, il y a aussi de la vinaigrette. Je prends une cuillère de moutarde. Puis, j'ajoute du vinaigre, 2 cuillères de vinaigre. Puis, j'ajoute d'eau ici, 2 cuillères d'eau. Puis, j'ajoute du sel et poivre. Je ne sais pas si je le fais bien ou pas, mais j'ai fait comme ça. Maintenant, je dois mélanger le tout. Et ajoute 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez probablement jeter une autre huile. Mais j'ai des huiles d'olive. Je pense qu'elle a meilleur goût. Cette sauce s'appelle ici vinaigrette française. Quand il m'a montré et dit que c'était une vinaigrette, j'ai été très surpris. Le même nom mais le plat différent. En Lituanie, c'est beaucoup de légumes et beaucoup de travail, mais ici, tout est simple et très savoureux. Alors, mais c'est tout. La vinaigrette est prête. Tout ce que je dois faire, l'ajouter à la salade et de mélanger. En général, en France, il y a beaucoup de sauces différentes. Les Français adorent les ajouter à différents plats. Ils aiment manger de la nourriture savoureuse. Mais c'est dommage qu'ils n'aiment pas vraiment travailler. Le canal est encore fermé. Mais ça va. J'ai une maintenant vinaigrette. Ma vie devient merveilleuse. Et heureuse. Le bonheur est ici. Le bonheur est à la croix sur Meuse. Ou peut-être y a-t-il encore plus de bonheur à venir? Alors, le voyage à Marseille continue. En attendant, je serai heureux ici. Bien sûr, tant que le canal est fermé, le bonheur est ici. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là.